Alors effectivement, il ne téléporte pas pour l'instant. Beaucoup de contrôle s'est posé sur McFleur là. Yankos qui pourrait tomber first blood en faveur DJ Yankos. Mitty J pourrait se la charge. Possiblement, il n'y a plus de flash. Mitty à portée de rouge. Et après, par contre, à late game, d'être très efficace avec un Smith J justement qui court. Oula, Smith J, il meurt quelques dégâts. Au doigt, il fait énormément de dégâts avec la Midnight. Le kiff également. Le repos doigt de la Kindred de McFleur. Et on a une destinée de la part de notre fait double kill pour Nike. Les Giants sont très très bien dans la game. Attention, le kill commence à trembler du côté des Shtukai. Ça y est, ouais. Non, on débloque le compteur de kill. Ryu. Et attention d'ailleurs, quand on parle de Trundle, flash de la part de McFleur, flash out de la part de Odo Amné, peut-être un pilar pour arriver à se mettre en sécurité, beaucoup de mobilité. Ouh. De la part de Karma, flash team de la part de Mao, on en veut à ce Trundle. Regarde les Giants qui font un move. Ça passe ou pas? Mais bon, attends. La Rocky a passé, le flop est là. Attention, peut-être le rappel de la part de la Elise, de Yankos, de Fat Rages, qui a pris d'énormes dégâts. Le repos Ladio, si les H2K temporisent suffisamment maintenant, ça pourrait être un boulevard pour eux dans ce fight. On doit bien pouvoir se battre, le prochain pilier pour être dévastateur. Oh, le développeur de Ryu qui va s'envoler sur la backlane des Giants. Et derrière, le Burst Mighty permet de se repositionner McFleur. Oh, il devrait être plus grand quand même, ce serait étonnant de le voir survivre. Oh. Cela permet de récupérer une tour et on court du côté de Sunstar et de McFleur et toute l'équipe des Giants, le DP de la part de XPTG. Derrière, attention, McFleur qui a pris beaucoup de dégâts, il conservera son repos de la nouvelle langage de la part de XPTG. Les Giants se battent dans ce couloir, il semblerait que Giants prenne le meilleur, à moins que bon, ce Trundle tient parfaitement la frontière, n'est pas suffisamment les H2K. Peut marcher cette fois-ci si jamais on doit amener Valet Backup. Attention, Laro qui va toucher, McFleur qui va prendre le cocon, la carte peut-être de la part de Ryu. On enchaîne bien les CC, mais pas le repos de la nouvelle qui est claqué. Du côté de McFleur, peut-être un téléport de la part de Maokai. XPTG qui est dans Mais il y a un mec qui avance, regardez-le sur la map, il doit faire Riot là pour le moment. On le voit, Pélé Sunstar, ce spell shield de la part du carry à des Giants. Des Giants qui continuent sur ce bar, Nashler, le TP de la part de Odo amené dans la mêlée. C'est brouillon, le Nashler qui a récupéré par ces Giants. Attention, le patch engagé McFleur, Smithy J qui va tomber. Et après, on va laisser les Winions faire le travail au niveau de cette boîte lane. La roue va toucher Sunstar. Derrière le plan qui va de la part de Smithy J. Smithy J. Moi, je prends énorme dégâts. Il se positionne dans le repos de l'agneau. Regarde Ryu. Tous les Giants ici. Et regardez Ryu. Effectivement, il a une Golka à positionner Ryu. La Golka sur un team. La pratique de la part de ces Giants. Est-ce que Ryu va tomber encore Golka? Et c'est GG. Giants, ils ont aussi entre très bon choix et très bonne phase de jeu. Et, par exemple, on pense à ce Colnachor tout à l'heure, catastrophique. Oh, attention, peut-être. Oh, flash de la part de Smithy. Non, 4v2, c'est bien joué directement sur la hache et le first blood qui revient au mid laner Giants Knight. Et regarde, le décalage de la part d'H2K, ça va être spot dans tous les cas par la Ward. Knight va essayer de se mettre en sécurité. Non, le kill, ça tente pour Lucci. Ça tente pour Lucci au maximum. Oh, Knight, attention. Oh, Knight qui a paniqué ici. On en disait beaucoup de bien. Il a pas de kill, certes, mais beaucoup de mobilité. Oh, les dégâts de la part des H2K, soit d'aggro, c'est bien fait. Et là-haut, maintenant, le passe Jack de la part de et le kill qui va être récupéré. Attention, Yankos qui est encore dans la mêlée, Yankos qui prend une exhaust, mais le bon dash, il a une Terra avec lui justement, on en a parlé, ça fait beaucoup de dégâts, et attention à Nike par contre, qui va se faire toucher le roux, une nouvelle fois, oh, les dégâts de la part de Vander, est-ce qu'on arrive à trouver le kill? Oui, Yankos, maintenant on arrive à Yankos, le kick, on va récupérer un double kill du côté des H2K. C'est un petit peu atypique avec Smithy qui vient juste de compléter lui de son côté. La Triforce, attention, le lock peut-être là avec l'ulti qui va toucher, l'ultimate aussi de la part de Knight. Knight qui va se faire kill directement, est-ce qu'on va avoir un perte ou pas? Pendant ce temps, le kill qui a été récupéré sur Yanko, c'est Knight finalement qui va pouvoir s'en sortir. Mais pendant que Smithy G lui par contre évolue au niveau de cette botlane, le téléport maintenant du top laner du côté des H2K, on va essayer des Giants, pardon, on va essayer de Golden, la récupération d'objectif, Melonachor est très long. Et c'est bon, ce sera récupéré par Yanko facilement. On va pouvoir se mettre en sécurité en top lane pour récupérer cette T2 qui reste, où on va le laisser évoluer tranquillement tout seul. Il a récupéré son Ryloff, flash kill de la part de Yanko. Ça découle sur un kill instantanément. Il y a maintenant Knight par contre qui va être sous les feux. Des tirs de la part des H2K. Pourquoi ne pas prendre de clip du côté du TF, du côté de Ryu? Et non, on qui pourra pas ramener le quadra kill. Si, peut-être, sur Ghost, non, ça a été flash. On veut absolument ramener le quadra kill. Attention, quand il faut finir cette game. Et voilà, ça sera la plante. Wow. Vander qui va s'en occuper 2-0 en faveur des H2K.
qui donc marquent leur première victoire de ces LCSU, mais en tout cas une game